Une matinée ordinaire sur une aire de camping-car, les gens vont, viennent, font les ablutions, partent. Là, beaucoup vont à la station faire le plein de gasoil pour faire plaisir à Manuel. Il faut savoir que quand on fait le plein, on ne paye pas le remplissage d'eau. Enfin bon, il fait plein de choses pour tous les camping-cars. Bonjour les chéris. Normalement, nouveau départ aujourd'hui. Donc ça y est, mon gaz a été rétabli. Manuelo a été chercher un adaptateur. Donc ça y est, je suis sur le propane espagnol. Donc il faut savoir que la bouteille de propane espagnol coûte 13 euros. Et l'adaptateur, il me l'a fait payer 12 euros, mais au moins je suis tranquille. Il n'y a pas d'histoire de consigne. Quand tu vas dans une station, on te change la bouteille directement. Et lorsque je quitterai l'Espagne, je rendrai la bouteille vide tout simplement. Voilà, ça sera facile et clair. Chrissa, ça y est, a réparé ses petits feux sur les côtés de Foxy. Donc tous ces petits feux vont bien. Tout va bien, donc normalement on doit partir ce matin. Et là je me rends chez elle. Elle doit être comme d'habitude en train de prendre son petit déjeuner. Donc je vais aller voir parce que là du coup au lieu de faire deux étapes pour la Mérida, on va faire qu'une seule étape cette nuit. Et nous devrons être à Mérida la veille, c'est-à-dire le 11 avant la convention du Book Crossing. Pour la vidéo de la famille, il y a eu des commentaires, vous n'arrivez pas à trouver la vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec YouTube. Alors, au lieu de jouer à Où est Charlie, vous jouez à Où est la vidéo. En tout cas, il y en a qui l'ont vu parce que là, j'ai regardé, il y avait presque 100 vues déjà quand même de la découverte de la famille. Merci à ceux qui se sont abonnés à leur chaîne. C'est vraiment très, très sympa. Il va falloir dire à Benoît et à Lorenzo et tout ça de sourire hein, parce qu'ils ne sourient pas beaucoup. Bon, hier, ils ont une journée difficile, donc je les comprends aussi. Bah, c'est la vie sur la route, hein, comme d'habitude. Bon, nous, on va essayer de voir si Chrissa est en train de manger ou faire autre chose. J'aimerais bien avoir l'étape d'aujourd'hui. Et voilà, ben voilà, elle est en train de petit déjeuner. Bon, on va voir quelle sera l'étape d'aujourd'hui. Une plus grande étape que prévue hier, mais... pas de soucis, on a l'habitude. J'étais en train d'enlever mon câble électrique sur l'aire de camping-car. Et là, encore l'imprévu, encore une surprise absolument très très sympathique et très géniale. Ben, moi, je travaillais chez DAF. Ah oui. Et voilà la super surprise. Voilà. Alors, nous avons Michel, une abonnée de longue date, c'est ça? De longue date, oui, c'est vrai. Ça fait combien de temps à peu près que tu es abonnée? Un petit peu avant, j'avais connu Chrissa, je crois, parce que je cherchais les gens qui faisaient du voyage en camping-car. Ouais. Et je pense que j'ai commencé. Ouais. Et puis après, tu as été chez Ambre, voilà, j'ai vu, ouais, et que ça, tu voulais ouais. toi aussi. Ouais. Et puis voilà, donc ça fait ouais. bien, peut-être pas un an, mais peut-être quand même. Mais par contre, tu fais jamais de commentaires. Je ne fais jamais de commentaires, voilà, jusque-là. Par contre, j'ai osé venir vous trouver. Oui, elle nous a rejoint avec son mari Alain sur l'aire de camping-car. Voilà, j'étais prête à appareiller, on va dire, enlever les câbles électriques. Et voilà, et Alain et Michel sont venus. C'est génial. Et toi, Alain, toi tu ne suis pas ou qu'en pointillé? En pointillé, oui. En pointillé, oui. Alors, attends, je vais essayer de détourner légèrement vers Edwige. Qui n'a pas voulu hier être filmée, une autre abonnée. Allez, viens Edwige, allez. Ça se passe comme ça sur les aires de camping-car. Donc Edwige, Alain, un abonné aussi, voilà, et Michel. Michel. Bah, et Michel va vers Edwige, je t'en prie. Et le petit chien qui arrive aussi. Et il manque l'homme de cœur de Edwige. Mais Edwige, elle fait des commentaires de temps en temps. Pas beaucoup, c'est rare. J'aime pas trop faire des commentaires. Mais j'en fais. Oui, moi non plus. Sympa, mettons, quand il vous arrive quelque chose de pas bien, je dis courage les filles. Ouais, des trucs, que des trucs comme ça. Voilà, donc normalement, là, je devrais être sur la route. Hein. J'aurais dû te faire une bise, Edwige, avant de partir. Et finalement, je suis restée à papoter. Quoi. Elle sera en retard au rendez-vous avec son futur copain.
Elle est comme les marraines. Tout le monde veut vous placer alors. Elle est fiancée dans chaque cour. Oui. Voilà, c'est comme les marins. Quoi. Voilà, comme les marraines. Manuelo. Non mais c'est ce qui est le plus drôle dans cette histoire. Elle est abonnée au Manuel. Ah bon, mais... Parce qu'en Autriche, il avait déjà un Manuel. Il avait déjà un Manuel. Mais lui, c'était un agriculteur qui avait un tracteur rose. Il était super craquant. Il était craquant aussi. Oui, moi non plus. Un tracteur rose pour bon, super sympa, quoi. Mais non, 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 mais je n'ai pas fauté. Non. Et tu fautes jamais, apparemment. Hein, on s'en fiche, t'as le droit. Je ne fautes jamais. Imaginer, là. On ne veut pas le savoir. Heureusement que si elle nous a fait une chagrin d'amour à chaque fois qu'elle s'en va. Non, mais après tout, elle a droit. Elle est majeure et vaccinée. Merci. Bon, voilà. De bon matin, c'est-à-dire à quelle heure? 13h, encore une fois. Midi moins le quart. Ah, midi moins le quart, quand même. Oh, mince, c'est bonheur. Bon, des super rencontres, comme d'habitude, j'adore. Ouais. Bon, toi aussi, t'aimes bien ma Christophe. Ouais, j'aime bien. Puis en plus, je suis en train de baver devant les housses. Oui, ils sont super. Que Michel a fait pour son camping-car. Non, mais regardez-moi ça, mes chéris. J'en bave. Jamais je pourrais coudre aussi bien. Allez, le tissu, tout, j'adore. Je sais pas si j'ai pas kidnappé Michel pour qu'elle me couse les housses de mes canapés. Quand même, que je filme un tout petit peu encore mon Manuel, mi corazón. Dame un beso. Eso está hecho. Et voilà, Christa est en train de refaire le monde avec nos abonnés. Le rapido qui est à gauche, c'est pas le sien. C'est incroyable, on a tout le temps mais 15 milliards de trucs à nous dire quand on rencontre des abonnés. C'est comme si on se connaissait. Et voilà, tu vois, ils se connaissent déjà depuis 10 ans. Quoi. En gros, c'est ça. Bon, on fait presque une semaine sur place à Valencia chez Manuel. On a repris la route. J'ai tenté désespérément de retrouver l'ancienne nationale 620 que j'avais pris pendant des années pour aller au Portugal. Mais je crois que là, la nationale 620, l'ancienne nationale, est noyée complètement dans la 4A, dans l'autovia. Alors je fais petit bout par petit bout. Là, je vais prendre la sortie d'Ordesillas. Nous sommes juste un peu au sud de Valladolid, entre Valladolid et Salamanca. Et je vais traverser la ville pour tenter de retrouver l'ancienne 620, un peu plus au sud. Je me souviens du nom de Tordesillas. Bon, ça remonte quand même, il ne faut pas oublier que ça remonte presque 30 ans. Presque 30 ans à l'époque où j'allais régulièrement en Portugal en camion. Donc ça a changé, bien évidemment, ça a changé. Mais il y a certains mots. Encore certaines villes dont Tordesillas. Et partout maintenant, partout, c'est ralentisseur, c'est très pénible. Ils sont très haut. Donc faut y aller doucement. Go!
parce que ici se sépare la route pour aller au Portugal et pour reprendre direction, enfin pour rester direction sud. On est à 120 km du Portugal, pas très loin. Voilà. C'est marrant, toutes les entrées des grandes villes se ressemblent. Parce que mis à part des noms espagnols, on pourrait aussi bien être en Espagne, en Italie, en France. Ça ressemble. Étape en pleine nature, on est vraiment dans une impasse. J'aime beaucoup. Là devant moi, c'est l'ancienne voie ferrée qui a été maintenant transformée en chemin pédestre et cycliste. Parce qu'en fait, voilà, cette maison là, c'est l'ancienne gare.
ils en ont fait un endroit de pique-nique, de détente, avec barbecue, table, banc et une très jolie vue. Là, c'est du solide hein, comme barbecue, j'adore. Et en plus, il y a plein plein de tables. On dirait qu'ils attendent 15 000 personnes. Il y a une jolie vue. C'est un barrage artificiel. C'est un lac artificiel. Et donc là, on est au-dessus. On le voit pas. C'est caché par les arbres. On est au-dessus de Baños de Montemayor. Donc, ce sont des thermes. Regarde cette jolie vue de fin de journée. Voilà, c'est notre chez nous pour ce soir, pour jusqu'à demain matin. Voilà à quoi sert maintenant la voie, l'ancienne voie ferrée, pour te balader à vélo ou à pied. Et le petit truc en plus, toujours hyper agréable, toujours naturel. Nous avons la source des Baños de Montemayor. Et tout à l'heure, j'ai vu un monsieur qui remplissait des bonbonnes. Donc, bien évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de venir lui parler. Et il m'a dit qu'il vient remplir régulièrement ses bonbonnes. Donc, en tout, il repartait 15 litres d'eau. Parce que ça, c'est la source des Baños. Et si tu vas au terme, si tu fais les soins, etc., ben, bien sûr, cette eau, on te la fait payer. Et là, c'est de l'eau de source naturelle qui descend directement. On est quand même en altitude, hein, donc on n'est pas surpris, nous, d'avoir froid le soir, le matin. Donc, elle descend directement de là-haut. Et donc, j'en ai pris. On va voir, j'en ai bu un petit peu. Oui, bah, bien sûr, tu la payes. Si tu vas faire tes thermes, des soins, etc., bah oui, bien sûr, tu la payes. Alors qu'ici, bah, tu peux venir te servir gratuitement. Donc, c'est ce que fait ce monsieur pour... effectivement, je l'ai goûté. Il n'y a pas de goût de calcaire, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de goût de chlore. Il y a le goût d'une eau absolument pure, naturelle. Et ça, j'adore aussi. Ça y est, on a réussi à quitter Palencia, quitter Manuelo, quitter les abonnés. Vraiment, ça a été super sympa. Ouais, surtout quitter Manuel. C'est difficile. Ouais, c'était très difficile, vraiment. Et là, nous sommes arrivés. Allez, dis-le. Baños de Monte, je sais pas trop quoi. Enfin, ce sont des bains, c'est des thermes. Donc là, c'est une ancienne petite gare. Et ça fait du bien parce qu'on est vraiment en pleine nature, on est dans une impasse. Montebello. On est super bien. Ouais. Bon, c'est simplement pour une nuit, c'est une étape rapide. Parce qu'après, on continue sur Mérida, toujours pour être le 11 à Mérida. Et le 12, attaquer la convention de Bucros. Ouais, le 11, c'est demain, quoi. Voilà, exactement. Pas trop traîné. Ça a été une sacrée journée encore. Ouais. Mais en fait, non, ça a été tout le séjour à Palencia qui a été très, très fort. Ah, beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de rencontres. Beaucoup d'émotions. Oui. Parce que... Et quand je parle d'émotions, c'est pas uniquement toi avec Manuel. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, ce matin, bon, j'étais en train de viser pour enlever mon câble électrique et partir, j'allais partir et j'entends bonjour Ambre, et voilà une abonnée qui me dit bonjour, je la connaissais pas, ils ont trouvé, bon sans leur GPS etc, ils ont eu des soucis d'internet, ils ont trouvé l'aire de camping-car, finalement on est resté plus de 2 heures à papoter, enfin tu l'as vu, tu as vu tout ça et ça a été un moment parmi tant d'autres. Ouais. Parce qu'il y a eu la famille, il y a eu Manuel qui nous a aidés, il y a eu ces Belges qui t'ont aidé aussi pour les petits feux. Les Anglais qui étaient de l'autre côté. Les Anglais de l'autre côté, très âgés, très handicapés physiquement. Le monsieur. Mais alors une pêche d'enfer. Ouais, tous les deux. Mais vraiment au moins minimum 80 ans, je pense. Et, ouais. Mais ils étaient fabuleux, j'ai beaucoup aimé. Mm. Alors, l'air, c'est vrai qu'elle n'était pas, bon, voilà, en cours de travaux,
à l'orée, on va dire, d'une ville, etc. C'est pas comme ici, tout arboré et tout. Des beaux acacias, des châtaigniers et tout. Mais... Ouais, il avait quelque chose. Ouais. Il y avait quelque chose. Il y a eu quelque chose. Hein. De toute façon, ouais. Il a planté des arbres, ça va pousser dans ouais, quelques années. Oui, cours. Hein. Il aura des arbres. Et tout il y aura des arbres, il les arrose, voilà, il les traite. Ouais. Ce matin, il les a traités, tout ça. Ouais, bon. Pas de souci. En tout cas, c'était une grande journée. Là, aujourd'hui, on a beaucoup roulé pour une fois. Demain, on va rouler encore pas mal. On fait 250 km à peu près. Pour nous, c'est beaucoup, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc là, Christa, ben, elle va se détendre à sa façon, moi à la mienne. On va marcher un peu avec Domino. Et demain, ben, on reprend la route. Et là, je vais m'occuper de la vidéo. Je ne sais même pas s'il y a du wifi, je ne sais même pas s'il y a quoi que ce soit. Je vais voir ça. Je peux te dire ça tout de suite, si on a du réseau ici. Allez, dis-nous vite. Attends, mets les lunettes, sinon parce que rien. Si jamais j'envoie la vidéo... Oui, 4G, oui. Je suis bon. En 4G là. Nickel. C'est bon alors, impec. Je vais vite faire la vidéo et je vous l'envoie. Salut les chéris. Ciao, ciao. Et au fait, vous êtes toujours des chéris, même en live. J'ai tout le monde, vous avez vu, j'appelle tout le monde mes chéris. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Michel, Alain, Edwige, tout le monde. Tout le monde. Salut. Ciao, à demain.